Bonjour, alors je suis sur le tour du Mont Blanc aujourd'hui avec Samira qui est derrière moi, cette fois je suis pas seul. Salut Bonjour, Samira. bonjour. Voilà, tu es prête pour cette première journée? On va essayer d'être prête. Donc là c'est 9 jours qui nous attendent pour faire le tour du Mont Blanc sur 180 km à peu près. Donc aujourd'hui il fait beau, c'est cool, on va commencer la première étape et on se retrouve sûrement en haut de la montée. Aujourd'hui il y a à peu près 1700 mètres de dénivelé. Alors on voit le Mont Blanc, il doit être ici au milieu. Je pense que c'est celui-là. 4800 mètres. Ah, on entend les cloches des vaches. On arrive sur l'alpage. Alors on commence avec la première variante. Première variante 1 sur 16. C'est la variante du col du Tricot, qui dure 5h55 minutes. Elle est assez longue et elle devrait nous amener à 2100 mètres. Et puis redescendre jusqu'au bivouac. Alors on aperçoit le col du Tricot, juste par là-bas, à mon avis, à 2100 mètres. On devrait y passer dans 1 ou 2 heures. On arrive à la passerelle.
Alors, deuxième jour aujourd'hui, c'est l'étape peut-être la plus difficile. On va aller au col des Fours, et la tête des Fours, qui est à 2700 mètres à peu près, et à plus de 10 heures de marche. Donc c'est parti, on s'est levé tôt. Allons-y. T'es prête? Ouais. Je crois qu'on est juste à la moitié, mais on voit déjà les contamines mangeois dans la vallée. C'est de là qu'on vient ce matin. Et là, on va sûrement rejoindre les pics qu'il y a là-haut. Pas ceux-là, mais à la même altitude. Alors, troisième étape aujourd'hui, on quitte le lac de Mia et on va en direction de l'Italie. On va passer la frontière qui est là-bas. Et du coup, il y a 25 km à faire, mais un peu moins de dénivelé. Et on devrait rejoindre Courmayeur. Thank you.
Fabre. La dernière montée d'aujourd'hui, à 2400 mètres. Alors on a les réserves des postes bagages de l'UTMB. Pour rejoindre le camping qui doit être là-bas. Ici. Les Courmayeurs, à mon avis, c'est derrière cette montagne. Et voilà, on arrive au camping de l'Aiguille Noire, avec une jolie vue sur les montagnes. Et du coup, c'est la fin de cette troisième étape. Quatrième jour aujourd'hui. Sur une étape un peu plus courte, il y a quand même 1400 mètres de dénivelé. Bon, on va pas très loin, on va passer dans la ville de Courmayeur. Et ensuite on ira bivouaquer pas mal en hauteur, à 2500 mètres. Puisqu'en Italie, on n'a pas le droit de bivouaquer en dessous de 2500 mètres. Bon, il a l'air de faire beau, je crois que c'est le dernier jour où il fait à peu près beau. Donc, j'espère qu'on aura du beau temps pour le bivouac. Ici on a une très jolie vue sur le Mont Blanc. Bon, il est simple à repérer, c'est là-haut. Pour une fois, il n'y a pas de nuages. On peut voir le col de la Seigne, là-bas. C'est là où on était hier avec la frontière italienne. Voici arrivé au col Sapin, à 2430 mètres d'altitude. On va sûrement bivouaquer soit ici, soit directement là-bas, pour
nous avancer pour le prochain, pour la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est la cinquième étape. On quitte notre lieu de bivouac pour rejoindre la Suisse. On entend les marmottes. Donc ce soir, il risque d'avoir un peu de pluie, mais on sera dans notre seul et unique refuge, le refuge de la Léchère, qui sera en Suisse. Voilà, on essaye de rejoindre le sentier pour traverser le col qui est là-bas. Bon, il a bien plu et on laisse passer les coureurs de l'UTMB. Je crois que pour l'instant il y en a eu une centaine. Ils sont tous aujourd'hui. Il y a de la circulation sur ce sentier. Donc là on arrive au col Ferré, c'est la frontière avec la Suisse. On passe de l'Italie à la Suisse. Et le gîte est juste en dessous. Voilà, on arrive au gîte de la Léchère. Ce sera notre seul refuge sur le tour du Mont Blanc. Ça a l'air assez sympa. Donc aujourd'hui, c'est le jour 6. On a quitté le gîte de la Léchère qui est derrière. Et on rejoint le Val d'Arpette, tout au fond de la vallée. C'est une étape qui devrait être un peu légèrement plus simple. Donc aujourd'hui on reste totalement en Suisse.
On va jusqu'à la Champexac, qui doit être là-haut, je pense. On est arrivé à Champex Lac. C'est le dernier point de ravitaillement avant les trois derniers jours. Alors aujourd'hui c'est le jour 7, on quitte le camping du Val d'Arpette et on se dirige vers la fenêtre d'Arpette à 2600 mètres. Voilà, c'est là-bas. Il y a un petit passage pour passer de l'autre côté de la vallée. Donc il y a pas mal de dénivelé aujourd'hui. On voit la fenêtre d'Arpette, juste là-haut. Je pense que c'est ça. On monte de nouveau à la forêt cette fois-ci pour rejoindre le col de Balme, qui est la frontière entre la Suisse et la France. Alors aujourd'hui c'est la 8ème étape, on part du col de Balme jusqu'à La Flégère, donc retour en France. On va passer la frontière entre la Suisse et la France dans 15 minutes je pense, c'est juste à côté, par là-bas. On voit déjà les rayons du soleil sur le col.
Bon, Samira est déjà partie pour se réchauffer parce que c'est vrai qu'il fait assez froid ce matin. Là, on a bivouaqué ici avec une jolie vue sur la vallée suisse. On est à 2200 mètres d'altitude. Et il a l'air de faire toujours aussi beau. Donc on a de la chance. Peut-être que demain il pleuvra un peu en fin de journée. Aujourd'hui, il y a pas mal de dénivelé et des passages assez techniques. Il y a l'aiguillette des Pauzettes et des lacs de Chesserie et le lac Blanc. Ah, voilà le refuge du col de Balme. Donc il est pile sur la frontière entre la France et la Suisse. On s'y approche. C'est le dernier jour, on rejoint les Houches et on va passer par Campraz, le Brévent et à l'aiguillette des Houches. Et apparemment, il y a un peu de pluie cet après-midi. Le sommet du Brévent avec le belvédère sur le Mont Blanc et il se trouve tout là-haut à 2500 mètres.
la dernière grande montée. À l'aiguillette des Houches, à 2285 mètres, 1200 mètres au-dessus de Les Houches, le point d'arrivée. Donc on voit là tout en bas. Voilà, on est arrivé à Les Houches après 9 jours. Alors, on a fait le tour du Mont Blanc, du coup, on est redescendu à 1000 mètres d'altitude. Et en 9 jours, on a fait quasiment 11 000 mètres de dénivelé. C'était pas facile, mais il y avait de jolis paysages. Qu'est-ce qu'on a pensé, Samira? Pas trop fatigué? Non, ça va. Franchement, c'était vraiment très très bien. C'était un beau paysage. Et à refaire, hein. Peut-être pas nous suivre, mais à refaire. Ah, oui.